Ronald René qui est malgré un deuil hein, avec nous au matin hein, puisque hier subitement hein, papa Li mouri dans ville Okaï. Donc dans toute équipe là n'a dit courage à Pierre Ronald René qui quand même là avec nous au matin hein, pour capable présenter journal là et informer auditoire Caraïbe FM. Non, encore du courage Pierre Ronald. Merci. Et puis, il y a la presse qui en deuil avec la nouvelle Lamorsa, Néhémie Joseph, qui c'est journaliste Panique FM, Mirbalet, qui est tous ses correspondants radio, Mégane Mirbalet. Eh bien, bandit touillé hier soir, c'est bandit au Paris identifié qui est touillé, journaliste là, d'après information yo, Néhémie Joseph t'a pas subi un pile menace. Donc, dans le cadre exercice travail, Mirbalet nous connaît qu'il y a un pile tension dernier jour ça yo, donc, yo, journaliste là, mourir. Dans coffre machine après il y a une balle plusieurs balles donc il t'a pris le métal dans machine que le puis que machine n'a pas tout marché n'a pas gagné un détail à cause pardon non Clément collègue dans commencement journal là pour qu'on ait qui ça qui vient en plus concernant eh ben information ça donc jusqu'à hier soir donc juge de paix pour cour Vini pour te faire constat journaliste là Mémi Joseph oui n'a pas gagné pour nous venir tout à l'heure avec information qui a rapport à la manifestation. Mais nous parler Mirbalet pour nous aller rejoindre correspondant nos Clément collègues qui lui-même va partager avec nous dernières informations et les disposer sur assassinat journaliste Néhémie Joseph qui c'est journaliste radio Panique FM c'est ça et correspondant Mirbalet radio Mega. Clément collègue bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre Runel, bonjour à tous les auditeurs auditrices radio Caraïbes FM. Eh bien, hier soir, Néhémie Joseph, j'ai déjà annoncé lui, qui c'est journaliste qui travaille pour Radio Panique FM dans Mirbalet, et qui c'est tout correspondant à Radio Mega pour Plateau Central. Eh bien, les jeunes l'emmolent dans Mirbalet, dans la localité Bayas, exactement devant, et parc sportif qui gagne dans Mirbalet, qui est dans la localité Bayas, côté que l'équipe de première division nous a habitué à recevoir un match. Donc, nous étions allés sur les lieux, nous joignons et confrères là, qui, nan ekof machine nan et alors machine nan li contre yon mur qui en face pas bayas donc nous joignons confrère là dans machine nan qui prend plusieurs balles et alors qui prend balle dans l'estomac puis prend balle dans tout prend balle tout dans pointe gauche li donc nous joignons nous qui mouri là mais jusqu'à présent à part de constat que la justice déjà fait pas que monde qui connaît qui ça qui est à la cause de la mort confrère là qui côté que le sorti qui côté que le t'a parlé jusqu'à présent nous beaucoup et disposer de informations ça sauf que et dans le regroupement journaliste que nous gagne dans pas plateau central mais toujours à partager certaines informations ou bien menaces que la poursuivre et de, alors dans ce premier temps c'est de quelques monde qui fait partie de pouvoir en place là qui vient en contre lui qui toujours et a menacé lui donc il est toujours partagé ça avec nous donc jusqu'à présent nous capable dire que et confrère là lui-même les jeunes dans mol en condition que peut-être en plus monde pas ta souhaiter mais nous beaucoup capable dire qui ça qui exactement qui est à la cause que Néhémie Joseph lui-même est mort. Donc la justice a pas gagné pour faire enquête yo. La police, la justice était sous place hier soir pour constat. Mais ça passait vers zone qui le constat. Ça n'est pas de monde dans la zone ça à côté ça arrivait non? Voilà, dans la localité Bayas, c'est une localité qui est éloignée de Villa, dans le centre Villa. Et c'est là genre de la QASM habitué se voir match yo. Donc c'est exactement là que nous venons. Les gens qui dans la zone ont fait quoi que y a plusieurs cartouches qui partent dans la zone là. Et puis dans un, alors par la suite bien là il qui va pouvoir le faire ou ça puisque c'est une zone qui est trop fréquentée dans une zone que les jeunes niens à part de leur match dans soit première ou bien deuxième division donc il y a des monde qui passent dans zone là yo dit nous que yo ouais machine les liens tout stade machine dans marché et yo ouais badge dans machine là mais yo pas wel yo pas wel donc yo t'ai relé dans Radio Panique FM puisque dans moment Radio Panique t'a fait une retransmission match Haïti face à Costa Rica donc c'est dans moment ça que yo relé yo fait connait que yo pas wel Néhémie pendant que yo wel machine tout ça maintenant nous même qui on pas qu'a dit c'est proche lui nous pense que dans moment ça peut-être capable dans difficulté puisque nous essayer relé nous pas joindre lui nous te rendre nous sur l'aide c'est le moment pendant la route que des monde qui t'a pas relé nous pour faire connait que lui déjà mort et puis les nous rivé en haut effectivement nous joindre dans conf machine là et il prend plusieurs balles et c'est là tout que la police la justice t'a pas venir pour que yo et
pour que dans ce premier temps et garder comment ça t'est pour faire constat et puis par la suite pour que yo commencer enquête. Monsieur Degain, émission politique, il est animé, non? Oui. Et l'Igain, émission Tambour Vérité, que l'animé 7h-9h30 et chaque samedi sur Radio Panique FM. Donc, c'est également. Alors, l'été, il y a une émission en Agi, il est présenté de concert avec un regroupement journaliste qui passait sous plusieurs radios dans la ville, qui passait le dimanche, et 7h pour 9h dans la soirée. Et il s'est également correspondant à Radio Méga, j'aime pas bien là. Et donc, à part métier journaliste là, Némi Joseph a fait qui ça comme. Némi Joseph, c'est un technicien et dans question laboratoire. Némi Joseph, c'est professeur dans l'école qui est les Capouvos dans Mion Ballet. Donc, environ une dizaine d'années depuis que l'avancé dans l'école ça. Et année ça même, Némi Joseph te conseille avec quelques collègues, ils te mettent sous pied yon, l'école technologie médicale dans Mion Ballet qui t'a supposé commencer dans le mois d'octobre ça là même, puisque l'inscription était déjà commencé. Donc, malheureusement, l'école ça les mêmes, Némi pas de temps. Et ouais, l'école pas là, ou bien l'école que le mettait sous pied pour que les mêmes étaient. Et qu'un chef fait coup là-dedans. Et ensuite, Némi était dans un premier temps joignant une nomination dans ONA, dans le bureau régional de Baléa. Et malheureusement, partisans et pouvant en place là, tu fais gros manifestation pour te dire que, alors c'est plusieurs monde qui ont joué une nomination, ils te dit que, monde ça, c'est des monde qui pas de bataille pour pouvoir, ils n'ont pas d'obligation, ils n'ont pas de raison pour c'est eux-mêmes qui jouent le travail. Donc, ils ont campé pour que Némi Joseph lui-même n'ait pas de bénéficier de l'emploi ça dans ONA, qui fait qu'ils ont été obligés de transférer dans les affaires sociales, dans la direction départementale de Hinche. Monsieur, t'es bon famille, et madame petite, à quel âge monsieur mourit là? Monsieur gagne exactement 35 l'année et madame monsieur. Alors monsieur marié depuis environ plusieurs années là, mais madame monsieur malheureusement, chaque fois que lui tombe enceinte, il n'a pas fait fausse couche, récemment là, ça a arrivé tout dans l'hôpital universitaire de Mion-Ballet à côté que Timon a été mourir dans votre madame lui. Donc monsieur pas de gagner, il n'est pas de gagner petit, mais il a vivé en famille, il a vivé avec madame lui et maman tout qui a vécu dans le même cas ensemble avec elle. Donc monsieur était vivre en famille, cependant le beaucoup. Et depuis qu'il aime ça pratiquer métier journaliste, hein, au bon idée, non? Et il y a environ 8 ans, il a commencé dans Radio Mago Horizon qui est dans Soto, par la suite, il a pas venu dans Mion Ballet, il a commencé à travailler dans Radio Panique FM, et c'est à ce moment-là qu'il a pas venu comme correspondant et Radio Méga. Mais faut nous dire tout que hier, pas vraiment gagné mouvement qui t'a fait dans Mion Ballet, puisque dans le dernier jour, ça a été surtout gagné un mouvement qui fait le soir dans Mion Ballet. Et bien, hier, suite avec éveillé une dame qui c'est Jocelyne Dubuisson, qui lui-même déjeune la mort le 27 septembre, qui passait à la côté que pendant la police t'a battu le gaz pour te disperser en foule. Et bien, dame, ça lui-même était asthmatique, lui était gagné et bonbon gaz qui était tombé même sous galerie la Cali, qui fait que le talent dernier soupil dans l'hôpital Mion Ballet. Donc, pendant que vieille dame ça t'a fait hier, et bien, monsieur dame opposition de bail en trêve pour permettre que veille à fête et puis je te dis matin tout de suite après je t'apprends recommencer avec et, alors tout de suite après entièrement je t'apprends recommencer avec manifestation et bien donc pas de gain mouvement dans mes balais sauf que, après que Némi lui-même fin de la mort après que nouvelle la fin de gaille dans le plateau central il y a un pile monde qui était très en colère pour malgré un pile dans le tout et qui pas en mesure pour être même faire mouvement même puisque c'est des monde qui étaient frappés par par tristesse mais ça pas empêché que quelqu'un de monde qui a essayé faire mouvement pour bloquer la rue et bien gros machine qui passait dans le centre-ville Mion Ballet qui était tiré et son groupe monde qui t'a manifesté ou bien qui t'a bloqué la rue puisque machine t'a déjà reçu un coup de crochet en vite lit et bien il a tiré que plusieurs monde alors il y a deux monde qui prend balle qui était rendu dans l'hôpital Mion Ballet donc c'est pour dire que pas vraiment gain mouvement qui t'a fait hier dans Mion Ballet et apparemment machine bien pendant que tu rentres sur les lunes d'regarder et comment ça t'est passé bien jeune machine des miens apparemment son machine qui a peine se clavé donc c'est peut-être dans carwash que l'a sorti puisque jusqu'à présent pas de chance pour nous t'a parler à famille qui est inconsolable pour nous demander et qui côté Némi alors qui côté que Némi t'a parler dans moment puisque jusqu'à présent pas de monde qui connaît et qui côté était joint avec qui côté le sorti sauf que il y a une jeune machine là qui contre un mur en face pas de ça j'en te dit là et puis il y a jeune Némi qui mourir dans confrontation.
Voilà. Mais merci un peu, Clément, collègue qui tape ben, nous plus d'informations concernant l'assassinat de Némi Joseph, alias Plongaillé, donc journaliste de radio Panique FM et également correspondant de radio Mégane en Port-au-Prince. Donc, probablement, c'est en réaction sur l'assassinat journaliste qui a seulement 35 ans, donc qui est marié, mais qui n'a pas quitté petite. Et d'après ça, Clément, collègue, fait nous connaître. Donc, journaliste qui est à pour recevoir une menace, d'après ça, Clément Gorleg fait nous connaître.